Stéphane Pappalardo, merci de me recevoir pour cette interview. Donc, tu es le réalisateur du film documentaire Squirt. Donc, Ah, bon. Bonjour Chris. bonjour, merci. Bonjour Chris. Chris, yes. On aura une version en anglais normalement de la vidéo. Donc, Squirt, donc c'est un film documentaire qui est en ce moment sur Kiss Kiss Bang Bang. C'est, si je ne me trompe pas, la Poste qui a mis en avant une initiative de financement solidaire, en gros, de projets artistiques et autres, dont tu fais partie. Donc déjà, je voudrais que tu te présentes un peu. Dis-nous qui tu es. Alors, Johan Papelardo, c'est moi. J'ai 28 ans, je suis originaire de Toulouse. J'ai voyagé pas mal partout dans la France avant de revenir à Toulouse. Après, j'ai fait des études de psychologie en fait à Toulouse, à l'université de Montréal. Puis après, je me suis orienté en fait en cinéma en fait quand je commençais à devenir très cinéphile en fait. Et puis voilà, donc j'ai fait mes études à la faculté Paul Valéry à Montpellier, où j'ai pu intégrer une association qui s'appelle L'écran et son double, qui est l'une des plus vieilles associations de l'université Paul Valéry. Et en fait, où on a pu tous un petit peu se faire notre CV, se faire nos premières expériences. Et voilà. Et puis moi, à la suite de mes études, j'avais envie de monter un gros projet. Donc en l'occurrence, c'est ce projet-là, un long métrage de documentaire qui se passe dans 4 pays sur le sujet des squats ouverts au public en Europe en fait. D'accord, oui, donc voilà, c'est en fait le sujet du. Moi, ce que j'aime dans ce sujet, c'est le côté solidaire et artistique qui est mélangé, c'est vraiment le soutien de toute une communauté finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus en quelques mots, sur ton projet? Oui, alors oui, comme tu l'as dit, il y a vraiment un vrai côté mutualiste et solidaire dans le projet. C'est-à-dire que en fait, bon, déjà les lieux sur lesquels je travaille, donc c'est vraiment des lieux qui sont dans cette optique-là. C'est-à-dire que voilà, on essaye déjà de les lieux eux-mêmes essayent déjà de mettre en place des pratiques non commerciales, de l'art non commercial, de tout un d'activités non commerciales, vraiment destiné à la population et destiné au public. Donc que ce soit pour de l'éducation populaire, bon, j'ai des endroits où en fait il y a des cours, tu as des formations, il y a des espaces où tu as des spectacles, tu as des espaces où tu as des débats, tu as des espaces où tu as des débats politiques, tu as des espaces où tu as du militantisme politique, tu as aussi des circuits économiques qui sont mis en place par ces espaces ou qui sont relayés par ces espaces. Donc, par exemple, mettre en place, par exemple, tu as des endroits où tu as des AMAP, en fait. Des AMAP, par exemple, c'est en France, c'est des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc, en fait, c'est essayer de se débarrasser de tous les intermédiaires qu'il peut y avoir entre le producteur agricole et le consommateur. Donc, vraiment un circuit court, localisé, dans la région, et qui permet au producteur, premièrement, de pouvoir planifier sa production pour sa clientèle qui est déjà posée dès le début de l'année, et qui permet après, par la suite, pour le consommateur, d'avoir des bons produits pour un prix beaucoup plus intéressant qu'il pourrait le trouver sur le marché en passant par l'offre normale, en fait. Donc voilà, c'est tout plein de petites choses comme ça qui se mettent en place, et puis aussi une réflexion qui est un petit peu d'ordre un petit peu plus général, plus politique, sur comment on fait les choses ensemble, comment on décide ensemble. Grosso modo, c'est un petit peu la question de l'autogestion. C'est nous, en tant que groupe, en tant que collectif, comment on fait pour essayer de se débarrasser de la notion de hiérarchie et que tous les gens qui participent au projet commun se retrouve dans les positions défendues par le collectif. Donc voilà, c'est un petit peu soulever toutes ces grosses problématiques, et en montrant aussi, du coup, avec 4 villes qui ont un contexte historique différent, politique différent, c'est montrer aussi les points communs qu'il peut y avoir entre ces espaces, et puis aussi les points de divergence qui peut être idéologique ou simplement législatif. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ça se passe pas du tout comme ça se passe en France, comme ça se passe à Toulouse, et à Turin, ça se passe pas du tout comme ça se passe à Barcelone. Il y a des points communs, il y a des points de rencontre, et après, il y a des différences. Et mon but dans mon travail, c'est vraiment
premièrement de faire découvrir ces espaces-là, et puis aussi d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, en confrontant les points de vue, quoi. Je sais pas si c'est Ah clair. oui, tout à fait. Je trouve ça très intéressant parce que ça correspond exactement à ces notions de nouveaux paradigmes dont on parle de plus en plus liés à 2012, choses comme ça. Donc sans parler pour autant de spiritualité ou choses comme ça, mais c'est vrai qu'il y a, on sent des nouvelles initiatives, et ça en fait partie, mais la création de nouveaux liens entre êtres humains, ou tout au moins des retours à des essentiels aussi. Mais justement, ça n'existe pas partout, ce genre d'initiative. Comment on peut avoir accès ou connaître ce genre d'initiative, justement? Alors, en fait, si, il y en a quand même vraiment, c'est très très répandu, en fait. Déjà, le squat en lui-même, dans la notion générale, il y en a quand même à peu près partout sur la planète, en fait. Et puis après, les squats ouverts au public, donc vraiment avec des projets destinés à la population, il y en a, par exemple, il y en a dans beaucoup de grandes villes, il y en a aussi à la campagne, et il y en a, donc, à peu près partout en Europe, par exemple. Il y en a aussi en Amérique du Sud, il y en a en Amérique du Nord, un petit peu moins parce que le contexte politique s'y prête un petit peu moins facilement, mais c'est des choses très répandues. Et après, voilà, pour se renseigner, il faut rechercher un peu. En général, ça se passe souvent comme ça, c'est le bouche à oreille. Et après, en fait, comme voilà, on est en train de rentrer vraiment avec Internet dans une nouvelle façon de communiquer, de faire partager les informations. Sur Internet, il y a vraiment moyen de trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà, pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de voir si vers chez eux, sur leur ville, il y a quelque chose, tout simplement, vous tapez squat sur Internet, avec le nom de votre ville, et vous allez sûrement avoir des espaces, et vous regardez, en général, il y a des sites Internet, sinon, il y a des contacts, et vous pointez sur le lieu, tout simplement, et puis vous regardez si ça vous plaît ou pas, si vous avez quelque chose à y proposer, si vous avez quelque chose à y faire, si vous avez quelque chose D'accord, oui, parce que ça paraît évident d'en trouver dans de grandes villes, mais pas forcément, on n'a pas forcément idée que ça peut être proche de chez nous quand on habite un peu plus en province ou en campagne. Après, à la campagne, par exemple, tu as beaucoup de communautés, d'éco-villages, donc pas forcément occupés, mais qui peuvent être aussi dans cette optique autogérée. Et puis, tu as aussi des espaces, des anciens villages qui ont été abandonnés pendant des années, par exemple, tu as le village de la Valette, qui a été un espace qui a été totalement abandonné pendant, je crois que c'est 20 ans, donc c'est vraiment, il n'y avait plus de route, il n'y avait plus du tout d'accès à l'espace, en fait. Et c'est des gens qui ont repris l'espace, qui ont réhabilité, qui ont refait toutes les infrastructures, qui ont refait les maisons, et voilà, qui, je sais, a priori, sont dans une phase de transition, quoi. C'est-à-dire que là, ils ont quelque chose qui est vraiment viable. Et voilà, maintenant, il y a toujours cette question de la légalisation du conventionnement. Donc, ils ont décidé d'occuper l'espace et de mettre en place un espace de vie, voilà, un petit peu différent. Par exemple, au cœur de la forêt, ils ont construit une cabane en bois avec des fours à pain, et t'as un boulanger qui fait du pain tous les matins avec de la farine bio, quoi, au cœur de la forêt. Donc voilà, il y a tout plein de petites choses comme ça qui se font, et c'est juste se prendre par la main, quoi. C'est un petit peu un acte citoyen, se prendre par la main et puis être curieux et regarder ce qui se fait, quoi. C'est super, ouais, ça donne vraiment envie de découvrir ces communautés parce que c'est un peu tout ce que tout le monde recherche finalement. Comment est née ton idée de faire justement un documentaire sur le sujet de squat en fait? Donc tu dis que c'est sur ton site internet, enfin sur KissKissBangBang, tu précises que c'est un terme qui a été, on va dire, créé par les sociologues. Comment en es-tu Ouais. venu à vouloir mettre en avant ce type d'initiative? Alors, en fait, moi, comme je te dis, en fait, la première fois où je suis allé sur un squat, c'était vraiment à Toulouse, en fait. Donc, moi, j'ai découvert Myris, qui était vraiment quelque chose de vraiment incroyable et qui existe toujours. D'ailleurs, ils ont été conventionnés, c'est-à-dire que l'État a reconnu leur activité comme quelque chose de bien public. Donc, ils ont maintenant des locaux qui sont donc loués avec des subventions de l'État. Voilà, ils ont fait tout ce travail pour arriver à cette situation-là. Moi, je suis allé voir aussi le Plan D qui a été fermé après la visite de Sarkozy, qui quand il était candidat à la présidentielle, donc pendant la première présidentielle. Il a déclaré, en fait, que quel que soit culturel ou pas,
ça reste une attaque à la propriété privée. Alors, en fait, suite à ça, en fait, il y a eu vraiment une grosse vague d'expulsions en fait, assez violente et qu'a subi le Clandé qui a fini par disparaître, malheureusement. Et j'ai aussi découvert la chapelle un petit peu, vraiment très vite. Hein. À l'époque, en tant que spectateur, en fait, je passais là-bas de temps en temps pour voir des concerts, pour voir des expositions, pour voir des débats politiques. Et puis, en fait, je m'étais dit, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un grand documentaire sur ce sujet-là qui puisse montrer un petit peu toutes ces alternatives-là qui essaient de se mettre en place, quoi. En fait, après moi, à l'époque, j'étais encore un petit peu, donc c'était pas du tout un projet, c'était juste une idée dans un coin de la tête, quoi. Et puis après, j'ai fait mes études en visuel, je me suis dit que ça serait vraiment le premier projet, gros projet que j'avais envie de faire, parce que c'était vraiment, je trouvais le sujet super intéressant, et je me disais que c'était quelque chose que j'avais très très envie de faire, en fait, tout simplement, quoi. Ça fait combien Et de temps que tu es après, sur ce projet? Entre l'écriture, les repérages, le financement, les premiers tournages et tout ça, en fait, là, ça fait 2 ans et demi. Et j'espère le finir, vraiment commencer une diffusion, genre dans 6 mois, en fait. Donc, grosso modo, ça fera 3 ans, en fait. En fait, grosso modo, en fait, c'est le temps que prend, enfin, en France, en moyenne, pour faire un métrage de documentaire professionnel, en fait, tu mets 3 ans, en fait, en moyenne. Donc, toutes ces différentes phases, dans toutes les phases d'écriture, de financement, de repérage. Le repérage, ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu des subventions, en fait, pour mon projet, en fait. Et en fait, la quasi-totalité est partie dans le matériel et dans les repérages, en fait. Et après, c'est mon argent personnel qui a servi à financer le reste du chômage, quoi. Donc c'est très long, mais en même temps pour faire un long métrage, ça demande toujours énormément de temps, que ce soit en fiction ou en documentaire. Tu parles de scénario. En fait, comment on monte un documentaire finalement? Tu parles de scénario, puis je pense que tu as dû prendre quand même des situations de vie, de moments Alors en fait, de... le terme de scénario, en fait, il n'est pas vraiment adapté au documentaire. En fait, c'est plus une écriture documentaire. En fait, ça va vraiment dépendre, en fait, de ton projet. En fait, il y a des documentaires qui sont vraiment très scénarisés, c'est-à-dire avec un axe narratif. En fait, j'ai pas du tout pris cette optique-là, parce que premièrement, comme je travaille sur beaucoup d'espaces très différents, sur un laps de temps très étendu, c'est assez difficile de pouvoir se dire, bon ben, on se le dit, hein, moi je me suis dit, tiens, avec quel espace je vais travailler sur ça, avec quel espace je vais travailler sur ça, parce que chacun, j'essaie de choisir vraiment, sur chacun des thèmes sur lesquels je travaille, j'essaie vraiment de choisir les lieux qui travaillent eux-mêmes sur ces thèmes-là, qui sont vraiment le plus cohérent, et d'avoir la parole des personnes qui sont les plus concernées par ces sujets, qui peuvent apporter des réponses les plus claires, quoi. Mais après, c'est pas, moi, du coup, ma construction, mon écriture documentaire, elle est vraiment thématique, en fait. En fait, j'ai construit le film, en fait, sur, bah, déjà une présentation de base, en fait, sur qu'est-ce que c'est le SWOT, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est le SWOT ouvert au public. Et puis après, en fait, on développe des thématiques, les unes entraînant les autres. Et puis, en fait, comme t'as, voilà, donc, je travaille sur plusieurs espaces, sur plusieurs villes, en fait, bah, ça permet de dynamiser tout ça, et puis de faire un jeu de questions-réponses, de gens qui ne se connaissent pas, mais qui, en fait, ont beaucoup de choses assez bien, en fait, et qui, ouais, le but, c'est un petit peu de créer un sort de dialogue, hein, entre les militants, entre 4 villes, entre beaucoup, beaucoup d'espaces différents.